Le temps presse. Prenons les biens les plus précieux seulement. Nous devons tout sauver. Idril, il faut forcément faire des sacrifices. Je ne sacrifierai pas notre passé à la peur. Hé, vous ! Qui êtes-vous ? Baranor, c'est le rôdeur. Je t'ai déjà parlé de lui. Un grand défenseur de Minas Ithil. Mais nous ignorons votre nom. Talion. Le Gondor vous remercie, Talion. Mais nous avons besoin d'hommes dehors. Non, les Uruk cherchent le Palantir et ne s'arrêteront pas avant de l'avoir. Où est-il ? Mon père l'a mis en sûreté. Rien ne saurait être en sûreté actuellement. Les Uruk démoliront la cité pour le trouver. Nous traversons des heures sombres. Mais nous n'abdiquerons pas. Et nous ne tomberons pas. Pas question. Je dois défendre les portes. Tous aux portes, et vite! Je ne les laisserai pas prendre cette ville! Alors il faut trouver le Palantir. C'est le seul moyen. Qui nous avons affaire ? Par ici ! Nous pourrons voir toute la ville basse une fois que nous serons arrivés là-bas. Ce n'est plus très loin. Plus longtemps. Je m'occupe des bêtes de siège. Baranor et moi, nous restons ici. Talion, nous devons nous emparer d'une des bêtes de siège. Ça devrait être intéressant. Siège à portée. Il faut la tuer. Ah.
dommage que nous ne puissions pas l'emmener. C'est une arme de poids. Ne perdons pas de temps. Ça devrait servir. Si ils tombent, alors ils ne tarderont pas à mettre la main sur le Palantir. Je pensais au Condor. De Sauron sont devenus immenses. Nous ne pourrons pas les vaincre de façon conventionnelle. Il nous faut le Palantir. L'attaque suivra sans doute. Retournons dans la ville haute. Allons voir comment vont Idril et les autres. Ils ne se contenteront pas de nous détruire. Ils cherchent à effacer toute notre histoire. Au moins, ils n'ont pas la pierre de vision. Les portes résistent. Ces reliques étaient tout pour moi. Père avait raison. Sauvons tout ce qui peut l'être, et partons. Vous détenez une arme très précieuse. La pierre de vision vous permet de voir votre ennemi. Servez-vous-en. C'est bien trop dangereux. Le Palantir empoisonne l'esprit. Nul ne saurait lui résister. Moi si. Vous n'êtes pas le premier à vous en vanter. Et si j'ai tort, j'échouerai comme les autres. Mais si je vois juste, nous gagnerons cette guerre. Je vais aller voir mon père. Et lui parler. Elle vous fera tenir parole, Rodeur.